Le commando de Strasbourg, mais aussi l'individu interpellé à Marseille, disposait d'instructions communes pour se procurer des armes, instructions communiquées par un donneur d'ordre depuis la zone irako-syrienne par le biais d'applications cryptées, prisées, on le sait, des terroristes. Des armes qui allaient être utilisées pour troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur sur notre territoire national pour le compte de l'organisation terroriste Daesh. Les éléments saisis en perquisition à Strasbourg, en particulier au domicile des nommés Yassine B et Hicham M, ont en effet permis de découvrir des écrits très clairs d'allégeance à Daesh, les premières exploitations qui ont pu être réalisées ont en particulier révélé la présence, dans un téléphone ainsi que dans l'ordinateur de Yassine B, de captures d'écran de recherche via Google Maps relatives à plusieurs lieux. Autant de recherches qui sont de nature à établir, de la part de ces individus, une volonté manifeste de trouver et repérer des cibles pour passer à l'acte à très court terme.